Bientôt Jésus va te juger. Seras-tu condamné ou sauvé? Jésus t'a peine. Es-tu prêt à un jour viendra la mort te suivra? Oui, Jésus t'a peine. Es-tu prêt à un jour viendra la mort te suivra? Bientôt, bientôt Jésus, Jésus va te seras-tu, seras-tu condamné ou sauvé? Jésus t'a fait, es-tu prêt car un jour viendra la mort que tu prends? Jésus t'a fait, Jésus t'a seras-tu, seras-tu condamné ou sauvé? Oui, Jésus t'a fait, es-tu prêt à un jour viendra la mort te suivra? Oh, Jésus t'a fait, Jésus t'a fait, es-tu prêt à que Dieu nous bénisse tous. C'est vrai. C'est la réalité. Un jour, la mort viendra te surprendre. Comme ce cantique pouvait dire, quand je venais ici-bas, je ne savais pas qu'un jour, je serais obligé d'abandonner tout ce que j'aime. Je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas ce cantique. Tu sais, ça, connais ça, non? Toi, ça, vous qui êtes des très vieux, oui, vous connaissez ce cantique, nous devons le connaître aussi. Oui, certainement. Connaît, oui. Quand je venais ici-bas, je ne savais pas qu'un jour viendra où je dois abandonner tout ce que j'ai ici-bas. Un jour viendra où chacun de nous devra abandonner ici-bas tout ce qu'il a. Amen. Quand on n'entend pas tout ce que j'ai, c'est tout. Autant ce qui est bien matériel que bien humain. Parce qu'on a des biens humains également. Et on a des hommes, on a des enfants, on a des petits-enfants, on a des parents. Un jour viendra où on va les abandonner. Mais quand on naissait, personne ne savait que ça va arriver. Quand tu es né, tu es bébé, ça fait la joie des parents, de tout le monde, de toute la famille. Surtout avant où on avait le coup familial. C'est vraiment une réjouissance de voir que le nombre de la famille augmente. De sorte que quand il y a une maladie qui arrive, tout le monde se met à trouver les moyens pour que l'enfant survive et grandisse. Et on est heureux. Mais la réalité, c'est que comme on ne lisait pas les Écritures ce temps-là, que l'homme doit tenir la poussière, les parents, ils savent qu'un jour, tu vas partir. Parce qu'ils ont vu beaucoup mourir avant. Mais toi qui es un bébé, un enfant qui est né, même à 3 ans, 4 ans, tu te demandes, quand on te parle de la mort, tu te dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que la mort? Mais un jour, nous sommes tenus, nous sommes obligés. C'est la loi du Seigneur d'abandonner tout ce que nous avons ici-bas. Quel que soit ce que tu as, tu es obligé d'abandonner. Je donnais
un exemple à quelqu'un. Pour ceux qui aiment entretenir des relations d'intérêt, il y avait un homme important de ce pays qui est décédé. Et puis, les gens étaient venus présenter les condoléances à sa sœur. Les gens parlaient, puis elle a fait venir une malle remplie d'argent. Les gens ne savaient pas ce qui était dedans. Les gens ne pouvaient plus la dire à la malle, « Va m'apporter de l'eau. » Une chèvre d'une grande valeur qui était à côté, il dit à la chèvre, « Va m'apporter de l'eau. » Et puis il y a un enfant qui était dit, « Va m'apporter de l'eau à boire. » Et la femme s'est levée pour aller prendre un verre de l'eau, pour venir pour lui donner à boire. Vous m'entendez, non? Et quand l'eau est arrivée, il a dit, « C'est ça la richesse. » Et puis il a dit, « Il faut ouvrir la main. » Ils ont ouvert la main, c'était rempli d'argent. Il dit, « Ça, les gens pensent que c'est de la richesse. » C'est pas de la richesse. La richesse, c'est cet enfant qui est assis là, que je peux envoyer. Parce que si je tombe malade, tout de suite qu'on demande à la malle de m'envoyer à l'hôpital, elle ne pourra rien. C'est vrai qu'on pourra prendre ce qu'il y a dedans pour me soigner, mais la malle ne peut pas m'envoyer à l'hôpital. Cette chaise d'une grande valeur là, on est à la chaise, mais prends pour aller à l'hôpital, la chaise ne pourra pas. Mais l'enfant peut appeler des hommes pour dire, ah, ma grand-mère, ça ne va pas du tout. Venez m'aider. Et c'est ça la richesse. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à entretenir des relations, non pas d'intérêt, mais d'intérêt de valeur. Et il n'y a rien de plus grand en termes de valeur que la parole de Dieu. La parole de Dieu, et le Seigneur, j'en parlais aux enfants la semaine dernière, puisqu'on est dans la nouvelle semaine, la semaine dernière, j'ai dit, la Bible dit, si tu as la nourriture, le vêtement, ça suffit. Rien n'est plus grand que la vie. Et pourquoi on s'inquiète tant? De quoi nous serons nourris demain? De quoi nous serons vêtus demain? Si Dieu nourrit les oiseaux qui ne sèment ni moissonnent, si l'herbe des champs qui ne travaille pas, qui ne file même pas, est si bien vêtu alors que en quelques instants, la chaleur viendra complètement la dessécher et on y mettra le feu. Est-ce que nous valons plus, nous, nous valons plus mieux que ces éléments-là, ces oiseaux et puis ces herbes-là? Que la gloire, que la grâce de Dieu nous accompagne, comme le Fla dit, et que nous ayons des cœurs honnêtes et bons. Ça ne veut pas dire que nous devons croiser des bras, que nous ne devons plus rien faire, non. Pas du tout. La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son visage. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de continuer, de travailler, d'obéir à la parole de Dieu, de faire tout ce que la parole de Dieu nous demande. Ça, c'est une exigence. Mais soyons prêts. Le plus important, c'est d'être prêt. Et être prêt, c'est marcher avec le Seigneur. Peut-être cet après-midi, on parlait des choses un peu plus profondes. Ce matin, on va continuer de lire ce qu'on avait commencé dimanche matin, dimanche passé matin. Sachant qu'on ne devait pas pouvoir avoir une réunion, on allait avoir la réunion ici. On va continuer, on va commencer à... on va continuer simplement à lire comment est-ce que Dieu a utilisé des hommes, des enfants et tout. Et on a lu beaucoup de passages, je crois. Il en restait encore beaucoup. Et je ne sais pas si on avait lu le témoignage de Timothée la fois dernière. On avait lu ça, non? Comment est-ce que l'apôtre Paul a vu Timothée? On n'en avait pas parlé. Donc on va commencer par ce passage-là. On va lire Acte 16. Acte 16. Pour montrer avant de revenir à donner des conseils à chacun de nous. Parce que nous sommes tous des enfants encore, même avec des barbes comme celle que porte Richard. Nous sommes tous encore des enfants et c'est important que nous le sachions. Et dans Acte 16, on va le lire et puis on va demander à Jean-Marie de prier pour la lecture de la parole. Dans Acte chapitre 16, au verset 1, il s'agit de Paul et de Barnabas qui sillonnaient, qui passaient, qui voyageaient.
Et voilà. Il se rendit ensuite à Derbe, à Lystre. Et voici là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un grand père et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Amen. Tu pries pour nous. Notre Dieu Tout-Puissant, là s'arrête ce dont nous sommes capables. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire lire. Pour ce qui est de la vie qui est dans ces paroles, de l'esprit qui les a écrites, toi seul les possèdes et peux nous en donner le sens profond et caché. Instruis nos âmes. Amen. Parle par la bouche de ton serviteur et que ne sois qu'un canal afin que nos âmes soient nourries. Oui, c'est vrai. Seigneur, merci. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni, qu'il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ici, ce que je voudrais que nous tous, en tant qu'enfants, nous retenions, c'est d'abord c'est les éléments de base. Hier, nous étions à une dot et on a vu quelqu'un qui nous a défini la foi sur trois niveaux. Sur trois niveaux, le premier niveau est celui dont Jacques parle. Il dit tout le monde croit que Dieu existe. Donc le diable aussi croit que Dieu existe, mais il ne craint pas Dieu. Si tu viens allumer, tu peux allumer. Pas de problème. Maintenant, si il ne craint pas Dieu, mais le diable croit. Et même il tremble. Mais il ne fait pas ce que Dieu dit. Il n'obéit pas à Dieu. Et puis le deuxième niveau, il a dit oui, il y en a qui croient. Leur foi se base sur le fait que on sait cette chose-là, Dieu est capable de le faire. C'est vrai. Et puis, il y a la foi qu'il appelle la certitude. La certitude, celle qu'on ne peut pas enlever à la personne. Quand tu vois la personne, toi-même, tu es convaincu qu'il a la certitude. Et c'est pour ça que ce matin, je me suis levé, je me suis mis à écouter la foi parfaite pour voir à quel niveau. Et effectivement, la foi parfaite, c'est la certitude. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dans Hébreux, on dit bien que c'est la substance. C'est une substance. Et les anciens, l'ayant possédé, ont obtenu un bon témoignage. C'est-à-dire qu'on est certain. On est certain des choses dont Dieu a parlé. Il y a une chose que Dieu te révèle. Parce que la foi elle-même est une révélation de la volonté de Dieu pour toi, pour les autres, pour ce qui se passe. Dieu te révèle sa volonté de sorte que tu n'as pas à douter, quelles que soient les circonstances. Les circonstances ne peuvent même pas t'enlever ça. Tu as une certitude en toi, mais tu ne peux pas la partager. Et c'est ce que j'ai dit un jour à un ami, je ne peux pas dire, je ne peux pas les appeler les frères, un ami, je lui ai dit, vous faites des réunions, vous fatiguez. Ces réunions ne vont pas aboutir. J'ai une certitude, j'ai une foi que je ne peux pas partager avec vous. Mais vous verrez bien que vous allez faire toutes les réunions, ça ne va pas aboutir à quelque chose de bon pour vous. Vous devez laisser ça tomber et revenir en arrière. Bon, ils n'ont pas compris. Ça a mis le temps, ça a pris. Mais ce qui doit être arrivé, arrière doucement. Ce qui doit arriver est arrivé. Donc aujourd'hui, il est question que chacun de nous ait cette certitude. Cette certitude qui te dit que ça là, ça va arriver. Que les gens ne croient pas. Toi, tu sais que Dieu te l'a révélé et que ça va arriver. Et je prends le cas de l'enlèvement. Aujourd'hui, l'enlèvement, je ne crois pas que ça soit une certitude pour beaucoup. Je vais m'expliquer.
Et je vous ai donné l'habitude de ce qui s'est passé avec Antomachie. Antomachie sait que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4. C'est écrit dans la Bible. Il le lit. Il a même entretenu sa famille. Ils sont quatre. C'est son église familiale. Deux garçons, lui et son fils, ça fait deux garçons. Sa femme et sa fille, elles sont aussi deux. Et Antomachie les a entretenus. Mais lui ne comprenait pas comment cela peut avoir lieu, quel que soit ce que l'apôtre Paul a écrit dans Corinthiens 15. Quand on plante une semence, elle pourrit avant de germer, avant de... Tout ceci, ça ne rentre pas. Parce que ce n'a pas été révélé. Et il est resté dans son salon pendant un long moment, avant de retourner au lit. Quand sa femme, sa fille, son fils sont partis se coucher, il est resté là pendant longtemps à réfléchir, à lire, mais c'est écrit. Et quand il est rentré se coucher, alors Dieu va le lui révéler. Pourquoi? Parce qu'il va faire un son dans lequel l'enlèvement va vraiment avoir lieu. Et sa femme, qui est sur le même lit que lui, il se réveille en son songe, sa femme n'est plus là. Mais la clé, la porte est bouclée de l'intérieur. Tous les habits sont là, mais la porte est bouclée de l'intérieur. Donc elle n'a pas ouvert la porte pour sortir. Il ouvre la porte, il sort. Précipitamment, il va dans la chambre de sa fille. La porte, elle est ouverte, c'est vrai. Il rentre, sa fille n'est pas là. Mais à l'heure où il se réveille là, sa fille ne peut pas sortir pour aller à l'extérieur de la maison. Il rentre dans la maison de la fille, de son fils, il frappe la porte. Son fils est là, il est couché. Il dormait bien, en songe, hein, et puis il le réveille. Il dit, mais où est ta maman? Il dit, je n'ai pas vu ma maman. Et ta soeur, point de tout. Et en songe, il se lève, il ouvre la porte. Il arrive là, le salon, la porte est ouverte, elle est fermée. Et bouclée de l'intérieur. Donc personne de sa maison n'est sorti de la maison. Alors il ouvre la porte. Et puis, il était encore un peu jour. Il va directement chez sa belle-sœur. Dans la maison de sa belle-sœur également, il y a une fille, qu'on pourrait dire un peu fanatique, comme on pourrait nous qualifier aujourd'hui, de fanatique, qui croit tel que c'est écrit. Et alors, c'est elle, quand on va très tôt le matin pour sonner, moi ici, j'écris aux enfants pour aller. Le problème, elle dit, mais on sonne, que quelqu'un aille ouvrir la porte. Mais celle-là, quand on a sonné, c'est elle qui se dépêche pour aller ouvrir la porte. Et puis, Antomachie passe son temps à sonner. Personne n'ouvre la porte continue de sonner. Alors, sa belle-sœur se lève toute lourdement et puis elle vient ouvrir la porte. Elle trouve son beau-frère devant la porte et lui demande, mais ma femme n'est pas chez vous ici? Elle dit, mais tu vois, non, parce que la porte est fermée. Et puis, je suis un peu surprise également que notre jeune servante qui est à la maison, qui a l'habitude de se lever, je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas levée. Alors, elle retourne dans sa chambre. La servante n'est pas là. Et Antomachie, en route, en revenant chez lui, alors les journaux, les radios annoncent qu'il y a des disparitions partout dans le monde et cela crée des remous partout. C'est en ce moment qu'il se rend compte que l'enlèvement a eu lieu. Là, ça devient une certitude pour lui. Mais ça, c'est encore un songe. Il arrive à la maison. Il réveille son fils, il appelle son fils, il dit, écoute, on a joué, ta maman et ta soeur sont partis dans l'enlèvement. Nous sommes restés, nous allons passer par la grande tribulation. Dépêche-toi, on va aller à l'église. Et rapidement, ils arrivent à l'église. Or, quand on rentre dans l'église, il y a quelques personnes seulement qui ont disparu. Même le soi-disant pasteur était là. Il était là parce que tout le monde s'est rendu compte que là, quelque chose s'est produit dans le monde entier, quelque chose s'est produit dans leur église. Et maintenant, il faut expliquer. Toi, tu es le pasteur, il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Il va leur dire, malheureusement, il va leur dire que
Il n'a fait qu'enseigner ce qu'il a appris à l'école pastorale. Ce qu'il a, on lui a appris là-bas, ce qu'il a enseigné. Ceux qui ont cru, ceux qui ont mis leur foi et qui ont dépassé ce qu'il a cru, ce qu'il a enseigné, c'est ceux-là qui sont partis. Mais une chance est encore offerte parce qu'il va avoir là la grande tribulation. Ceux qui pourront passer la grande tribulation, c'est vrai que ça va être très dur parce qu'ils sont obligés de rendre leur témoignage en donnant leur vie. Ceux qui pourront mourir dans cette tribulation vivront le millénium. À part ça, c'est fini. Et il a invité chacun à se mettre là à genoux pour prier pour que Dieu donne la force à chacun pour tenir quand ses mains d'épreuves vont arriver. Et c'est en priant, en te marchant à prier, et il était sur son lit, il transpirait comme il n'est pas permis. Et l'heure à habituelle où il se lève pour prendre sa douche et se préparer pour aller au travail, commence à être dépassée. Sa femme se demande, mais qu'est-ce qu'il a cette fois-ci? Et alors il va le réveiller. Et quand elle a réussi à le réveiller, sa réaction était, c'est toi? Tu es là? Il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es là? Et il demande le nom de ta, il demande la fille. Elle est là? Il dit, elle est là. Mais qu'est-ce que tu as pu transmettre comme ça? Il n'a rien dit. Les deux sœurs sont lits. Il est passé par sa douche. Il a pris son habit. Il est rendu au travail. Il est parti signer sa démission. Déposer sa lettre de démission. Arrivé à son bureau, il a fait sa lettre. Il a démissionné. Et il est venu à la maison pour expliquer à sa famille ce qui s'est passé. Il a dit ce qui aurait pu être une réalité. Le mot est là maintenant. Ce qui aurait pu être une réalité, une certitude, maintenant là, a été un songe. Il ne peut pas permettre, il ne peut pas rater cet événement. Désormais, on ne peut pas lui prêcher l'enlèvement. On ne peut pas lui prêcher l'enlèvement. Il sait, avec certitude, que cela aura lieu. Amen. Et que lui, ce qu'il doit faire pour y être, c'est ce qui est important pour lui. Quelqu'un peut venir expliquer, parler, tout ça. Ça, c'est beau. Mais ce que lui a vécu là, on ne peut pas le lui enlever. Désormais, pour lui, c'est certain. C'est une preuve que ce qui est écrit va avoir lieu. Et comme il est dit, c'est une substance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On montre à celui qui est en face de toi qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais tu ne peux pas le lui montrer. Tu vas pouvoir expliquer et ne peux pas comprendre. Parce que c'est quelque chose qui est logé, caché dans ton tréfonds. De sorte que tu ne peux pas lui dire comment ça se produit, comment ça se produit. C'est comme si on est là, tout à l'heure là, on sait que quelqu'un va partir du milieu de nous. On le sait, on le regarde, on dit mais quelqu'un va partir du milieu de nous. Attends, là, tout le monde en bonne santé, vous avez dit que quelqu'un va partir. Comme le jour où j'ai dit à cette soeur qui est venue me voir, qui a fait son songe, et puis je l'ai regardé, j'ai dit, je te dis la vérité. Ce que j'ai dans mon cœur, que le Seigneur m'a donné, je te dis, range chez toi à la maison, prépare-toi parce que tu vas rentrer à la maison. Mets de l'eau dans ta vie, mets de l'eau dans ton foyer, mets de l'eau dans ta maison, parce que tu vas rentrer à la maison. C'est dur. Pour certains, ils n'osent pas le dire parce que c'est trop difficile, c'est trop cru. Mais quand tu dis que tu ne dises pas, tu sais qu'elle va partir. Ben, Dieu vous lui dit ça après, se prépare à partir. Et un mois, jour pour jour, et une semaine avant qu'elle ne parte, sa meilleure amie qui se trouve à San Pedro fait un son jour, on lui dit, tu es en train de jouer, ta soeur est prête à rentrer à la maison. Elle est prête, elle va à la maison. Elle se lève,
Mon ami est prêt à aller à la maison. Et à la fin de la semaine, on lui annonce le décès de sa meilleure amie qui est à Abidjan. Et cela s'est rendu compte effectivement qu'on lui a dit qu'elle est prête. Or, quand elle a fait son songe, il y a un mois, elle n'était pas prête. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Parce qu'en songe, je suis allé la chercher par deux fois. Elle n'était pas prête. Il dit, mais comme tu n'es pas prête, je te laisse. Quand tu seras prête, je vais venir te chercher. C'est ce que je lui ai dit. Deux fois, je suis allé la chercher. Elle n'était pas prête. Je viens, elle dit, bon, comme tu n'es pas prête, moi, je m'en vais. Le juste, quand tu seras prête, je vais venir te chercher. Et elle était surprise que ça soit comme ça. Alors qu'elle est venue me dire, non, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête pour aller à la maison. Il faut que tu sois prête parce que tu vas rentrer à la maison. Je t'ai venu te chercher. C'est comme si je suis venu te chercher pour aller à la maison, tu n'es pas prête. Mais apprête-toi parce que tu vas rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu vas rentrer à la maison? Mais Dieu l'a fait et que son nom soit béni. Aujourd'hui, elle se repose. Donc ici, l'apôtre Paul, regardez bien, c'est des hommes qui ont eu témoignage de cet homme-là. Parce que l'apôtre Paul arrive à Lystre, à Derbe, et il trouve un disciple. On n'a pas dit qu'il a trouvé un fidèle seulement, ni un frère, il a trouvé un disciple. Il n'est pas le disciple de l'apôtre Paul. Il est le disciple de Christ. Un disciple. C'est quelqu'un qui a pour maître Christ. Qui a pour sauveur Christ. Qui a pour Seigneur Christ. Et comme il sait qu'il a pour Christ comme maître, il est le disciple de Christ, son témoignage devait être tel que on doit le reconnaître comme disciple de Christ. Et ce n'est pas une vieille personne, c'est un jeune homme. Il a une mère juive, mais son père est grec. Je pense qu'on en avait pas la fois dernière, effectivement, mais c'est pas grave. Vous savez que les juifs n'ont pas à avoir des mariages mixtes. Non, un juif doit se marier à une juive et tout. Mais déjà à ce temps-là, il y avait quelques personnes qui pouvaient, excuse-moi le terme que j'ai employé, violer cette règle. Et voilà que sa mère qui est juive s'est mariée à un grec. Même pas un romain, mais un grec. Les barbares, en ce temps-là, pour ceux qui font l'histoire, c'est comme ça qu'on les appelait, vous les historiens. Donc, et sa mère est fidèle. Mais lui, il est disciple. Sa mère est une fidèle. Et l'apôtre Paul aime bien écrire aux saints et aux fidèles qui sont. Le fidèle, c'est celui qui est converti, qui est fidèle à Christ, qui est fidèle à la parole de Dieu, qui marche avec le Seigneur, qui ne se laisse pas tromper, qui ne se laisse pas trahir, qui ne se laisse pas entraîner à des rêveries. Fidèle et d'un père grec. Ce qui veut dire que, comme j'ai dit la fois dernière, vous les femmes, vous devez apprendre à élever les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre monde moderne oblige nos sœurs à aller dans les bureaux, à travailler dans les bureaux. Avant, nous mettre dans les champs. Et vous savez que c'est elles qui portent les enfants au dos. Surtout en Afrique, même dans les pays occidentaux, avant que la modernité n'arrivait. Vous savez, pour ceux qui ont lu, je ne sais pas quel est ce livre-là, où il y avait le truc des mines, des miniers, là, où les gens travaillaient dans les mines. On a lu ça quand on était en première. J'oublie le titre du livre. Mais vous savez bien que c'est les femmes qui s'occupaient de tout. Et c'est les femmes qui élèvent les enfants, comme la maman de, je crois, Wesley, qui avait ses sept garçons. Mais elle trouvait le temps pour prier pour chacun d'entre eux, de faire la vaisselle, de faire la lessive, de s'occuper de la maison, de préparer pour son mari et ses sept fils. Donc, c'est les femmes qui éduquent les enfants. C'est pour ça que, généralement, quand un homme et une femme ne sont pas de la même langue, l'enfant apprend plus vite la langue de la maman que la langue du père. Ici, donc, la maman, la mère,
est une juive et son père est grec, et l'enfant a été élevé dans la foi. Et le témoignage était tellement important que Paul l'a amené avec lui. Je voulais enlever, laisser la partie, parce que voulu l'enlever, voulu l'amener avec lui, il a dû le circoncire à cause de ce que les parents, les gens savent que son père est un grec. Et en tant que grec, il fait partie des non-circoncis et il fallait qu'il le circoncie pour que les frères qui sont des circoncis en ce temps-là ne lui posent pas beaucoup de problèmes. Plus tard, vous allez vous rendre compte qu'avec Tite, ce n'est pas la même chose. Quand il est parti voir Jean et Jacques à Jérusalem, 14 ans après, même Tite n'avait pas été obligé de se faire circoncire. Mais la chose dont on voulait parler et la chose sur laquelle on voulait insister, c'est le témoignage de ce jeune homme. Et c'est ça qui est important, qui montre à tout le monde que c'est un jeune homme qui est croyant, qui est un disciple du Christ. Sa vie est une vie exemplaire. Une vie qui montre qu'il a vraiment quelque chose de certain dans son cœur, dans son âme. Et on ne peut pas le lui enlever. Pas parce que sa mère est juive, mais parce que désormais il est devenu chrétien. Il est devenu disciple de Christ. Et c'est important pour nous de voir que ce n'est pas seulement quand on est grand qu'on croit. Même enfant, même jeune homme, on peut toujours et on doit. On peut toujours accepter le Seigneur Jésus et être un vrai disciple de Christ. Ainsi, les enfants, on va lire un peu, comme je vous ai dit la fois dernière, on a lu beaucoup de passages, mais j'ai retenu beaucoup de passages encore aujourd'hui pour nous, surtout dans Proverbes cette fois-ci. La fois dernière, on a lu dans Exode, dans Ésaïe, on a lu également dans Deutéronome, on a lu dans Samuel, ce matin on a lu dans Luc, la fois dernière on a lu, peut-être on a parlé dans Jérémie, mais on en a parlé, on sait que Jérémie déjà on a lu, Jérémie chapitre 1, on a lu que Jérémie était, c'est le dernier qu'on n'a pas lu, mais Jérémie était encore un enfant quand Dieu l'avait établi comme prophète des nations. Et si vous partez dans Daniel, vous allez vous rendre compte que dans la déportation, c'est des jeunes gens qu'on a déportés à Babylone. Et parmi tous les jeunes gens qu'on a déportés, comprenez bien, ce n'est pas seulement les quatre. Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel sont ceux qui ont été déportés. Si vous voulez, il faut qu'on le lise pour que vous compreniez, ce n'est pas seulement les quatre. En lisant, vous comprendrez pas. Par ce sens-là, je lis à partir du verset 1. La troisième année du règne de Josachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra en ses mains Josachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenas, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y a que la famille de Meshach, Shadrach, Abednego, on a trouvé les trois, et on a trouvé également ceux de Daniel. Les jeunes garçons sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Voilà. Donc je ne crois pas que ce soit quatre personnes seulement. Ils devaient être assez nombreux, certainement. Mais quand on regarde bien, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Mais quand vous voyez ça, c'est des jeunes gens. C'est ce qui est dit pendant les jeunes garçons. Pas des jeunes hommes, des jeunes garçons. Parce qu'on fait la différence, un homme
Et un garçon, on ne dit pas, quand on dit c'est un garçon, on sait que c'est un garçon. Mais, sans défaut, quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, des enfants. Donc ce n'est pas des personnes âgées, non point du tout. Pas des personnes adultes, non pas, non plus, point du tout. Et dans ce petit lot, vous allez vous rendre compte qu'il y a quatre personnes qui vont se distinguer. Là aussi, c'est important de savoir que certainement, ceux-là ont été bien éduqués dans la foi de leur père. Comme David pouvait dire à Salomon, connais le Dieu de ton père. Ces trois enfants ont appris à connaître le Dieu de leurs parents. Les quatre plutôt. De ce que quand on leur a offert la possibilité de se nourrir à la table du roi, ils ont décliné cela gentiment, sagement, et en proposant à l'eunuque ce qu'il leur faut, parce qu'ils ne veulent pas se souiller. Le thème est simple. Et ça, on peut le lire plus loin. Le chef des eunuques, on va le lire un peu. Avant le verset 8, oui. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Déjà, il considère que la nourriture qui est donnée à la table du roi est une souillure. Certainement que là-bas, il mangeait du porc, il mangeait tout ce qui est interdit, tous les aliments interdits. Dans la loi de Moïse, on peut le trouver à table. Et si tu es à table, et que c'est devant toi, tu dis d'abord, tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas cela. Alors que le roi sera assis là autour de la table, également, te regardant, ou d'autres enfants seront là, ou d'autres personnalités du roi, du royaume sont là, mais c'est à la table du roi. Seulement, aujourd'hui, on ne sait pas. Avant, on dit la cour du roi. Quand on dit la cour du roi, c'est une grande cour, une grande table où les gens se mettent, où on vient servir. Et les gens mangent, ils boivent, ils mangent, ils boivent, ils mangent, ils boivent, ils mangent, ils boivent. Il y a les vomissoirs, comme les gens savaient, pour ceux qui savent. Quand on parle des orgies, c'est que les gens, ils mangent. Et quand il est rassasié, il va, il vomit ce qu'il a mangé. Et puis il revient pour s'asseoir, pour manger ce qu'il n'a pas encore mangé. Il mange jusqu'à ce que c'est le dernier lot qui reste dans le ventre. Parce que la tienne table n'est pas garnie. Les gens boivent, le gars il va vomir tout pour ne pas être sous et puis il revient. C'est du gâchis. Mais c'était la vie que j'ai menée parce que quand on te dit qu'on tue à la table pour ce jour-là 10 bœufs, 10 chevreuils, 10 béliers, 10 ceci, 10 cela, et qu'on fait tel type de pain, toutes ces formes de nourriture-là, comprenez que c'est vraiment de la souillure. Énormément. Et on boit toute forme de vin. C'est vrai. Et Daniel n'a pas voulu se souiller. Alors Daniel dit à l'eunuque, à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la souveraineté de Daniel, de Anania, de Michaël et de Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Qu'on nous donne les légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. Que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, il leur donnait les légumes. Et Dieu accorda à ces quatre jeunes gens, comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Avant que Dieu ne rentre en jeu, il fallait que les jeunes gens prennent des décisions. Amen. Avant que Dieu ne rentre en jeu dans votre vie,
Il faut que vous preniez position vous-même. Souvent, on dit Dieu va faire, Dieu va faire. Mais nous, on ne veut rien faire. Dieu va agir. Mais nous, on ne veut rien. On veut même pas toucher. Mais si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Si les enfants n'ont pas pris position ferme pour Dieu, bon, mais Dieu ne va pas agir. Et ça, pendant toute leur vie, vous avez vu qu'ils ont pris position pour Dieu à chaque instant où ils se trouvent devant les difficultés les plus énormes. Et je parle de ceux qui étaient à Babylone avec Daniel. Et Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amène. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Amen. Parmi tous ceux qui sont déportés, qui sont des familles nobles, des familles riches, et qui n'ont pas été éduqués par leurs parents, comme il se doit, pour suivre la loi, les prophètes, le psaume, pour marcher avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, pour faire ce que Dieu a voulu, ceux-là, ils n'ont pas pu être admis au service du roi. Par contre, les deux autres qui ont pris un engagement ferme, qui pouvaient leur coûter la vie, qui pouvaient leur coûter toutes sortes de choses, c'est des esclaves. Vous devez comprendre que c'est en temps de guerre qu'on les a pris, et puis on les a envoyés là. Donc, prioritairement, ce sont des esclaves. C'est des prisonniers de guerre. C'est des prisonniers de guerre. Donc, si on donne aux prisonniers de guerre, parce qu'ils sont jeunes et qu'on veut s'en servir demain dans la maison et qu'ils veulent encore eux-mêmes donner des lois, alors vous êtes des prisonniers de guerre. Mais attends, on peut mettre fin à votre vie automatiquement pour donner une certaine crainte à d'autres jeunes qui sont là pour que personne ne vienne à jouer. Donc ici, Dieu nous montre simplement que même des jeunes gens peuvent être à son service. Des jeunes gens peuvent être pour lui. Et c'est lui qui prend position pour eux. Vous avez vu plus tard, quand on obligeait à adorer le Dieu de Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach, Abednego étaient confrontés. C'est paradoxal, hein? Daniel n'était pas confronté à ça. C'est les trois qui étaient confrontés à ça. Moi, ça m'a toujours surpris, mais ils sont quatre. Mais pourquoi c'est trois? Pourtant, Daniel n'a pas deux non plus. Mais ces trois-là. Et Dieu leur a donné de prendre position pour lui et de dire au roi, même si notre Dieu ne nous défend pas, ne nous sauve pas, nous ne ferons jamais ce que tu nous donnes de faire. Nous ne le ferons pas. Avant que Dieu n'intervienne, il faut que vous-même, vous prenez une position ferme pour Dieu. Et ça, c'est important. Et je crois que la suite, c'est vraiment une très bonne transition pour tous les autres versets que nous allons lire tout à l'heure. Si vous ne prenez pas vous-même une décision ferme, une position ferme dans votre cœur, vous ne vous engagez pas pour Dieu, ne vous attendez pas à ce que Dieu agisse pour vous. Même quand on est grand, c'est devant les situations difficiles, les plus difficiles, que Dieu s'attend à voir qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes et pour qui nous vivons. Mais il faut l'avoir appris quand on est jeune. Maintenant, si on est vieux, qu'on a cru, on doit aussi manifester qu'on a vraiment connu ce Dieu-là et qu'il y ait cette certitude dont je parlais tout à l'heure, dont cet homme nous faisait la démonstration hier. Il dit, oui, il y a la certitude. La certitude, là. On ne peut pas lâcher ça à la personne. Il est tellement certain de la chose que... Et j'écoutais, comme je vous ai dit, la foi parfaite. La foi parfaite,
La foi est une révélation que Dieu fait. Quand Dieu te donne ça, toi tu sais, c'est comme, je me souviens de quelque chose. Voilà, je me souviens de notre sœur Valérie Bebo. Valérie Bebo qui a été opérée. Et puis, elle allait à la maison. Quelques jours après, les choses n'allaient pas du tout. On la ramène à l'hôpital. Et elle se plaint de la même chose. Et les médecins la voient sur la table via pour encore ouvrir. Et qu'elles ont ouvert le ventre, ils se sont rendus compte que il y a eu tellement d'erreurs, des choses, on ne peut rien faire. Il fallait refermer simplement et la laisser aller mourir. Ce qu'on devait faire, c'est de lui donner des calmants pour atténuer la douleur. Et puis, son mari m'a appelé, c'est ma fille, et votre maman et moi, nous nous étions rendus dans cet hôpital-là, dans cette clinique-là, où elle a été admise. La sonde qu'on met ne reste pas. Quand on a opéré cette sonde-là, on te met une sonde pour que tu puisses évacuer, mais la sonde ne reste pas. On fait tout, ça ne reste pas. Ce qui veut dire que, globalement, elle ne peut pas, elle peut pas évacuer. Donc, son sang va être souillé et peut avoir des problèmes de reins. Et demain, il va être quelqu'un qui a des maladies rénales et tout. Et quand je suis arrivé, là, on l'a regardé. Je lui ai dit, Valérie, tu ne mourras pas, tu rentres à la maison. Je vais t'imposer les mains comme la Bible dit et tu vas aller à la maison. Et quand je lui ai imposé les mains que j'ai pris pour elle, elle a senti une forte chaleur depuis la tête jusqu'aux pieds. Et je lui ai dit, ma fille, nous rentrons à la maison. Tu viendras nous trouver. Et puis on est parti. Et puis, le soir même, le médecin ne comprend rien. Et il a décidé, la fille, la jeune dame a décidé de rentrer à la maison. Elle dit qu'elle elle se sent bien. Bon, pour le médecin, où elle se sent bien, c'est pour aller, pour mourir. Ce qui fait que les frais de séjour et des actes médicaux, on leur a fait cadeau. Le responsable de l'hôpital a décidé de ne pas faire payer ça par son mari. Parce que pour lui, la femme va pour mourir, son mari va aller encore dépenser de l'argent pour l'enterrer. S'il faut déjà encore le dépouiller, ça serait vraiment inhumain. Elle lui a dit, bon, mais écoute, on te délivre le secret, tu rentres à la maison, mais on se revoit dans 6 mois. Ce que c'était dans 6 mois, elle ne reviendra plus. C'est déjà trop tard. Et dans 6 mois, Valérie se présente. Là, c'est la grande surprise qui arrive là. Mais Dieu nous a donné cette certitude-là, cette foi-là, que elle ne mourra pas. Et on a prié, elle est entrée à la maison, et puis elle est revenue 6 mois après. C'est là qu'il va lui révéler pourquoi elle n'a pas pris de l'argent quand elle devait partir. Elle lui a donné encore 6 mois. 6 mois encore, elle est revenue. Elle est revenue, toujours plus en forme. Et puis un temps, elle fait de l'hypertension où il y avait des boursouflures partout sur sa tête. C'est ici qu'elle est venue. Elle ne dormait pas. Puis on va prier simplement. Le Seigneur va te relever. On a prié simplement. Puis Dieu lui a accordé la même chose. Et elle vit aujourd'hui. Je crois avant-hier, elle m'a appelé pour dire, on lui dit qu'elle a de l'ulcère. De là jusqu'au ventre, elle ne doit pas manger quoi que ce soit de solide. Jusqu'à ce que, au bout de 3 mois, il faut attendre 3 mois. On a prié ensemble, il a dit. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Mm-hmm. Mais Dieu, lui, n'a rien dit. Si Dieu veut que tu manges demain, tu mangeras demain. Amen. Maintenant, si Dieu veut que tu passes les trois mois, tu passes les 3 mois. Mais sache qu'on a prié, crois simplement. Et dit, souviens-toi de moi. On a prié une fois. On n'a pas besoin de prier 2 fois, 3 fois.
Maintenant, si le Seigneur met sur le cœur de continuer de prier, c'est qu'il veut qu'on prie. Mais tout ceci pour dire que nous devons avoir une certitude. Meshach, Shadrach, Abednego avaient la certitude que leur Dieu est capable de les délivrer. Daniel avait la certitude que la loi, l'ordonnance du roi de ne pas prier, parce qu'on en voulait à Daniel, là, il fallait qu'il relève le défi. Alors il ouvre grandement ses fenêtres, il se tourne vers Jérusalem et il prie comme il a envie de prier. Parce qu'un croyant ne peut pas s'empêcher de servir son Dieu. Comment je vais m'empêcher de servir mon Dieu? Je ne peux pas m'empêcher de le servir, de l'adorer. Donc, Daniel, il fait son travail. Les autres n'ont qu'à faire les leurs. Pour eux, c'est de dénigrer Daniel. On l'a signalé, ils sont venus le prendre. Et comme c'est sauf ses ennemis, un étranger qui vient pour dominer, il faut qu'il meure rapidement pour que le royaume revienne aux enfants du pays. Ce n'est pas eux qui ont décidé, ils ne se sont pas imposés, ils n'ont pas cherché. On est venu les chercher. On dit, vous avez plus d'intelligence que les autres, plus de sagesse. Donc, venez m'aider à gouverner le pays. Comme Joseph a été amené à aider Pharaon, Joseph n'a pas demandé, il n'a pas cherché. C'est le roi qui lui a dit, mais on ne trouvera pas quelqu'un comme toi qui a de l'intelligence, à qui Dieu a révélé ces choses-là, pour gérer cette affaire. Viens t'asseoir, toi, gérer toi-même, comme tu l'as dit. Mais sache que, désormais, là, après moi, c'est toi. Et on a vu que c'est comme le type de Christ. Et c'est vrai, Daniel dans la fosse aux lions, les lions, c'était leur maître. Et comme j'avais dit, là où il y a la vie, la mort ne peut pas être. Là où Dieu se manifeste, la mort ne peut pas. Même quand quelqu'un meurt, la mort va partir, la vie va vivre. La vie reviendra. Amen. Alléluia. Et permettez-moi de dire ça, je le dis toujours. Aucun chrétien ne meurt sans l'accord de l'Éternel. Un chrétien, je ne dis pas un religieux qui va à l'église. Un chrétien, un disciple, un fidèle ou une fidèle ne peut pas mourir. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est de la volonté de Dieu que la personne aille se reposer. Amen. Ça peut faire mal, ça peut faire souffrir, ça peut faire pleurer. Mais le mec, quand il a décidé, il est maître. Amen. Que son nom soit béni. Gloire à Jésus. Maintenant, pour enchaîner et donner une instruction aux enfants, pour que demain savent choisir, on va lire beaucoup de passages dans le livre de Proverbes. On va aller dans le livre de Proverbes. Vous savez que Proverbes a été écrit en grande partie par Salomon, le fils de David, qui a été roi. Et il a vraiment écrit. On prend le Proverbe chapitre 1 et on va commencer par le verset 7 jusqu'au verset 16. Après, on lit le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 7, le chapitre 10, 12, 13, 23 et 31. J'ai pris ces chapitres-là pour lire avec vous beaucoup de passages. Donc, Proverbe chapitre 1, du verset 7 au verset 16. Voilà ce que Salomon écrit. D'abord, le verset 1, je lis le verset 1 pour vous. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. Amen. Voilà le but de Proverbe, voilà le but de ses sentences, voilà le but de ses écrits. L'objectif, c'est pour donner de l'instruction, de la sagesse, c'est faire comprendre les paroles de connaissance, d'intelligence et donner une leçon de bon sens aux jeunes gens, une leçon d'équité, de justice et de droiture, et pour donner aux hommes simples du discernement,
au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. En disant ces choses, c'est que le verset 1 jusqu'au verset 4 s'accomplisse dans notre vie et dans la vie des enfants. Amen. Et que les mères puissent lire régulièrement avec les enfants ces choses-là. Comme on a lu dans Deutéronome la fois dernière, que cela soit attaché à nos mains, inscrit sur la table de nos cœurs, sur le fronton de nos portes, et même sur le fond de nos fronts également, et sur le linteau de nos portes également, pour faire connaître l'enfant, quand on voyage, quand on est à la maison, la loi, les lois de Dieu. Et bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, oui, éduquer les enfants sur la voie qu'il doit suivre. Oh, de ce qu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Même si ça s'en détourne, vous avez fait votre travail. Amen. Le reste, Dieu s'en occupera lui-même. Amen. Vous ne pouvez pas changer le cœur de vos enfants. Ma maman a l'habitude de dire, quand tu mets un enfant au monde, à un moment donné, tu n'as pas mis son cœur au monde. Tu l'as mis au monde. Mais à un certain âge donné, son cœur là, tu ne l'as pas mis au monde parce que tu ne gouvernes pas son cœur. Si son cœur veut s'égarer, tu ne peux rien faire. Si son cœur veut marcher d'une manière ou d'une autre, tu ne peux rien faire. Parce que tu ne peux pas changer le cœur d'un humain. Aucun de nous ne peut changer son propre cœur à propre de ceux des enfants. Mais il y a un qui est capable de changer. C'est l'Éternel Dieu. Lui peut changer le cœur d'un humain. Alors, j'aime prendre toujours cet exemple de Nicky Cruz, ce gangster américain qui s'est battu avec la police américaine jusqu'à ce que ce serviteur malingre, maigre, de campagne, arrive chez eux et qui aille dans leur gîte et lui dise, Nicky Cruz, Jésus t'aime. Oui. Il a giflé, il a poussé, et lui ne connaît que les armes. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour. Le mot amour est banni de son langage, mais il a entendu Jésus t'aime. Et cet homme est parti. Et après son témoignage, c'était devenu un disque rayé dans sa tête. Jésus t'aime. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle l'amour, mais c'est Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il dort, Jésus t'aime. Il se lève, Jésus t'aime. Il prend son âme, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et ce prédicateur a organisé une campagne. Il les a invités. Ils sont venus. Lui et sa bande sont venus ensemble. Il leur a réservé la première place. Tous les premiers bancs, il leur a réservé ça. Et ce soir-là, quand il a fini de parler, il dit, qui veut donner sa vie au Seigneur, Nicky Cruz s'est levé. Et toute sa bande l'a suivi. Il dit, vous fermez vos yeux, on va prier pour vous. Et Nicky Cruz le dit avant, il dit, s'il connaissait la Bible en ce temps-là, il dit, toi, prie, moi je veille. Quand la Bible dit, veillez prier. Il dit, moi je te dis, tu pries, moi je veille. Parce que c'est un bandit, et il ne peut pas se laisser surprendre. Mais ils ne connaissaient pas la Bible. Et ils ont fermé leurs yeux. Et ils sont tous devenus des croyants. Ils ont abandonné la lutte avec la police. Ils ont abandonné la drogue, la boisson, la cigarette. Ils ont tout abandonné. Parce que le Seigneur a décidé de changer leur cœur. Que son nom soit béni. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Craindre Dieu, c'est fuir le mal. C'est fuir le péché. C'est ça le commencement de la science. Et ça, nous devons apprendre aux enfants que craindre Dieu, c'est fuir le mal. Amen. C'est fuir le péché. C'est fuir tout ce qui est contraire à la loi. Amen. Parce que ce n'est pas seulement contraire à la Bible, mais même à la loi. Il y a des choses que la loi interdit. Il y a des choses que la loi accepte, mais qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, il y a les deux cas. Il faut regarder ceux qui sont contre la loi et qui sont aussi contre la parole de Dieu et ceux qui sont acceptés par la loi mais contre la parole de Dieu pour que cet enfant apprenne la science.
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est quelqu'un qui refuse d'être instruit. Quelqu'un refuse d'apprendre à être sage. C'est un insensé. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et si les deux sont unis, Salomon nous dit les deux. Le père et la mère doivent prendre soin d'élever, d'instruire, d'enseigner les enfants. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Je vous ai dit la fois dernière, je ne sais pas si c'est en réunion, ce jeune homme qui a coupé les oreilles de son père là, c'est devant essayer d'y arriver ça, non? Non. Je crois que sa famille. Cet homme n'a pas élevé ses enfants comme se doit et son fils est devenu un vrai gangster, un bandit. C'était un Nigérien et on devait les faire passer au poteau. Ariel, tu t'assois et tu obéis. On devait les faire passer au poteau. On les a attrapés, on les a liés, on les a mis au poteau et on devait les fusiller. Et puis l'un d'eux a dit, je veux pas confier quelque chose à mon père. J'ai quelque chose à lui confier. Avant de mourir, je ne veux pas de mourir, mais il faut que je parle à mon père. Je lui confie quelque chose. Il faut que mon père vienne. Peut-être qu'il avait eu peur de venir voir confuser son fils, mais quand son fils l'a eu de venir, c'est tellement qu'il a pensé que son fils va lui dire où il a caché quelques petits trésors. Comme ça, si même il meurt, la famille peut vivre. C'est l'homme. L'homme après tout. Hein. Donc il arrive. Il dit, approche. Pourquoi je te parle à l'oreille? Les gens ne doivent pas attendre. Donc il s'est bien approché, il a bien mis son oreille. Et il a frappé avec ses dents l'oreille de son père, il l'a coupé. Et puis il a craché. J'ai dit, bon, tu vois comment il a mis ça? Il dit, si tu m'avais éduqué, oula, si tu m'avais enseigné, je ne serais pas en train de subir ce que j'avais subi. Je te l'ai fait pour que tu ne laisses pas mes frères mourir comme moi. Pour que ça te serve de leçon que tu dois éduquer les autres. Son père attrapé, là, l'oreille coupée, ensanglantée. Et son fils vient de lui donner une grande leçon qu'il ne va jamais oublier parce qu'il n'a plus d'oreille. C'est vrai qu'on les a passés au poteau, parce que ça a été prise. On ne peut pas lui faire grâce, malgré tout. A priori, si on devait être honnête, on devait même attraper son père, qui ne l'a pas éduqué, pour le mettre en prison. Mais tout le monde était surpris de comprendre qu'il venait d'enseigner son père comment il faut éduquer les enfants. Et nous, les parents, nous devons éduquer les enfants. Quel que soit leur comportement, quelle que soit la situation, on doit leur parler. Qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas, nous devons faire notre devoir. Le reste, Dieu s'en occupe. Donc, je poursuis. J'ai dit, on s'en va jusqu'au verset 16, et c'est long. C'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-le tout vif, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. J'ai dit qu'au verset 16, hein, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils,
ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Voilà ce que Salomon a attiré, a retiré. Qui est sa mère? Comment s'appelle sa mère? Bathsheba. Son père s'appelle David. Voilà ce que sa mère Bathsheba et son père David lui a enseigné. Et il a tellement retenu la leçon. Pourquoi? Parce que quand son père et sa mère l'éduquaient, il a écouté. Mais plus tard, il a laissé les femmes le détourner. Son cœur était détourné. Et à la fin de ses vieux jours, il a compris, il a attiré beaucoup de leçons. C'est pour ça que quand vous lisez l'Ecclésiaste, vous savez bien qu'il dit « Tout est vanité et poursuit du vent ». Et c'est Salomon qui écrit pour donner des leçons aux jeunes gens, pour donner des leçons aux mères et aux pères. Parce que lui, il avait appris son père, sa mère. Il l'avait négligé. Mais à la fin de sa vie, il a compris qu'il faut les recueillir pour que d'autres personnes puissent s'en servir, pour ne pas se perdre, ne pas se laisser égarer. Salomon a eu une seule, je n'appelle pas chance, une opportunité. Dieu a dit à David, je ne vais pas lui retirer ma grâce. Et ça, de sorte que Salomon, quel que soit ce qu'il a fait, la grâce de Dieu ne lui a pas été retirée. Au chapitre 2, du verset 1 au verset 13, c'est aussi très long. C'est des passages souvent qui sont longs. Il y en a beaucoup, mais on veut les lire ensemble. On n'est pas pressé, même si on a une réunion tout à l'heure à 16h. Au verset 1 du chapitre 2 dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est très profond. C'est une interpellation. Je reprends. Mon fils, si tu reçois mes paroles, ce qui veut dire que tu es capable de les rejeter, mais je te conseille de les recevoir. Parce qu'à la fin, si tu les reçois, il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Si tu reçois mes paroles, si tu les gardes avec toi, si tu gardes avec toi mes préceptes, c'est-à-dire tout ce que je peux t'enseigner. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, tu ne fais pas de folie, tu ne te crois pas trop sage pour faire ce que tu veux, tu ne crois pas que tu connais le monde mieux que ceux qui t'ont devancé. Parce que j'aime dire aux gens, je dis, quand tu nais, tu passes par des expériences. Les vieux passent par des expériences. Les vieilles personnes là, ils passent par des expériences. Et quand ils te parlent des choses qu'ils ont vécues. La fois dernière, je crois que c'est hier, en partant à Yamsoukou, j'ai dit aux enfants, ils disent, vous savez, aujourd'hui les hommes ont plus de relations d'intérêt que de relations vraiment pures et saines. Et saintes, il faut parler comme ça. De vraies relations. Oh, si tu es bon, s'il peut tirer quelque chose de toi, alors tu seras leur ami. Mais dès qu'il ne peut rien retirer de toi, tu passes même dans la rue, tu ne salueras pas. Nous, on le sait. Moi, j'étais banquier. Il y avait des gens, je pouvais leur dire, viens et suis ma maison tous les jours, te donner un crédit. Ils l'auraient fait. Je connais des clients. Viens,
écoute, je vais rallonger un peu le délai de ton délai de paiement. Viens chez moi, fais ceci, fais cela. Il l'aurait fait. Je connais des fournisseurs. Écoute, viens, fais ceci, fais cela. Je paierai ta facture rapidement, même non déchu. Je trouvais les arguments pour le faire payer. Il l'aurait fait. Mais je n'ai pas demandé un franc à un fournisseur. J'ai fait ce que je dois faire correctement. Ils ont tous été satisfaits. Quand j'étais là, ils étaient toujours contents. Parce que je les servais. Sans rien leur demander. Mais je vais vous dire, quand je suis parti de la banque, même des gens qui pleuraient, quand ils te voyaient, ils détenaient la tête, ils passaient au loin. Quand j'étais trésorier au port et que je faisais le travail et que les gens venaient plier, se plier, les gens pouvaient venir, ma maman est malade, j'ai besoin d'argent, fais ceci. Tu pouvais faire tout pour eux gratuitement. Or, dès que tu quittes le poste, il n'y a plus rien. Et quand je ne suis plus directeur financier, les gens qui n'avaient jamais mis pied dans mon bureau parce que un jour, pour vous faire rire un peu, j'ai un collaborateur qui a dit, mais au fournisseur, mais maintenant, on ne vous voit même plus dans nos couloirs. Il dit, on va venir dans votre couloir pour faire quoi? Avant là, pour avoir un marché, il faut venir payer. Pour avoir son chèque, il faut venir payer. Maintenant, on dort, mais on nous appelle venir prendre notre chèque. On va venir faire quoi? On va venir perdre son temps. Non, on a travaillé. Quand vous avez l'argent, vous allez payer. On n'a pas besoin de venir là-bas. Il dit, ah bon, il dit, oui, on n'a pas besoin de venir. Mais quand je suis parti de là, alors, il y en a qui ont commencé par comprendre que ce n'est pas la même chose. J'avais voulu avoir un peu de riz. Et le gars qui a envoyé acheter le riz, il a dit à mon jeune gars que j'ai envoyé, il dit, ton patron a été tellement bon. Et puis l'autre a dit, il s'est mis à rire, il dit, le bonheur là, c'est quand on l'a perdu qu'on le connaît. Quand il était là, vous ne saviez pas que vous aviez, et mes collaboratrices sont venues un jour, voir mon assistante dit, mais Dieu nous avait donné un ange et on ne savait pas. On le prenait pour quelqu'un de difficile, de dur, mais c'était un ange que Dieu nous a donné. Elle a dit, tu dis quoi? Elle dit, mais je te l'avais dit, si ça sort de toi, si ça sort de toi là, vraiment, je le prends. Elle dit, si. Dieu nous avait donné un ange, mais on n'avait pas compris. Il nous parlait des choses de Dieu. Il nous disait comment il faut faire, comment on doit se marier, comment on ne doit pas vivre ceci, on doit vivre cela. On pensait. Mais aujourd'hui, on se rend compte. Il y a même Marouena qui est parti de ce poste-là. Mais on le regrette. On veut pas, tout le monde ne peut pas venir ici pour parler, mais on te dit, soyons des fleurs. Quand on t'écrase, ton parfum là, se répand. Plus on veut t'écraser, plus ton parfum se répand. Et on reconnaît à travers ce que tu es, qui est Christ. Et c'est important. Et c'est la leçon que Salomon donnait ici. Il a fait ce recueil là pour nous. C'est la parole de Dieu. Dieu l'a inspiré pour qu'il écrive ça. Pour nous qui allons venir. Et comment on devait étudier nos enfants. Surtout nous qui sommes du groupe des païens. Et quand venant la foi, comment éduquer les enfants pour qu'ils craignent Dieu et qu'ils soient bénis. On poursuit. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà ce qu'est l'Éternel. Il donne le salut. Il sauve. Et Dieu sauve vraiment. Peut-être je vais vous donner toujours des petits exemples. J'étais au village la fois dernière, et puis j'ai dit à mon petit frère, « Toi là, depuis que tu es là, c'est moi qui prends soin de toi. Il n'y a pas un jour que tu es parti à la pêche, tu es venu là. Et puis tu es venu me donner un poisson pour qu'on ne prépare pas que je mange.
Tu as plus de 40 ans. J'ai plus soin de toi qu'aujourd'hui. Tu ne m'as jamais rien donné pour manger. Même la plantation qu'on a fait pour toi là, même une graine, même tu n'as pas donné à ma femme pour pouvoir pour nous jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas là. Et puis, le lendemain, il est parti à la pêche. Il était débrouillé son filet dans l'eau pour chercher à pêcher. Il va, tous ceux qui sont partis à la pêche, tous ont pris leur filet, n'ont rien attrapé. Lui aussi, il est parti. Il prend son filet jusqu'à... Il n'y a rien. Et puis, ouais, Jean-Marie est là. C'est la portion de filet qui reste à ramasser, puis c'est fini. Et puis il dit, hé hey, Dieu, ton serviteur est venu, il m'a parlé, je suis venu déposer mon filet là. Je voulais trouver un poisson pour lui, je ne vais rien trouver pour lui, fais-moi grâce. Et il tourne, il enlève. Et juste là, il arrive là où se trouve Emmanuel. Il sent que ça bouge. Il tire, il y a un poisson, quand tu l'attrapes là, il lutte avec toi, s'il ne fait pas attention, ou il est mort, ou il part. Mais le poisson était dans le filet, il n'a pas lutté. Il a pris sa machette, il a coupé le filet en même temps, tranquillement, pour ne pas se fatiguer, pour mettre le poisson dans sa pilon. Et il est venu, quand il est venu, il a dit, voilà ton poisson. Et après, la ministre, il dit, il m'a dit, toi là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Chaque fois qu'on prend ton nom, Dieu nous bénit. Il dit, toi, Dieu t'a béni déjà plusieurs fois. Tu prends le nom de mon Dieu. Au lieu que ce soit ton Dieu, on t'a battu depuis 1994, tu es resté comme ça qu'aujourd'hui. Quand tu as devenu croyant, quand tu vas craindre Dieu pour marcher avec Dieu, ce qui veut dire que, frère et soeur, on peut se faire baptiser et puis ne pas être converti. On peut se faire baptiser et puis ne pas être converti. Et on en a plein. Autant dans le message, on en a plein. Que Dieu nous aide simplement. Donc, on va aller un peu plus vite parce que là, il y a beaucoup de versets. On va aller. Donc, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Amen. Amen. Dieu protège les sentiers de la justice et il garde la voie de ses fidèles. De ceux qui sont fidèles. C'est-à-dire qu'il les protège dans leur marche. Même si quelqu'un a prévu de leur faire du mal sur le chemin-là, Dieu lui les dévance. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. Amen. Toutes les routes qui mènent au bien. Aucune voie de Dieu n'amène au mal. Toutes les voies de Dieu mènent au bien. Et c'est eux qu'on ne l'est pas. J'ai dit, on va jusqu'à quel verset? Verset 13. Donc, on est au verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. C'est un peu beau, hein? Va trouver son plaisir dans ton âme. La connaissance va trouver son plaisir dans ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Amen. L'intelligence va te protéger contre les pièges. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Il y a des gens qui trompent avec leur langage. Quand tu parles, c'est tellement mielleux que tu ne fais pas attention. Tu vas te laisser entraîner. Nous, on a vécu des situations. On a vu des situations de grandes personnalités. On ne veut pas dire le nom, mais il n'y a rien de plus faux. Tu les suis, tu vas aller en prison. Pour te délivrer de la voix du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chantiers, dans les chemins ténébreux. La sagesse va te protéger de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture.
Quand ils abandonnent le chemin de la scène de la nature, où ils marchent? Ils marchent sur des chemins ténébreux. Et quand tu marches dans un chemin ténébreux, tu es sûr que tu vas tomber dans un trou. Et Salomon ne veut pas qu'on tombe dans un trou. Dieu a mis ses paroles dans la boue de Salomon, sous sa plume, pour nous empêcher de tomber dans des trous qui vont nous nuire. Vous notez ces passages, j'espère, hein, pour les relire après. De toute façon, j'ai ça. Il y a Emmanuel qui enregistre aussi. Le chapitre 3. Chapitre 3, verset 1, verset 12. Ça, c'est un passage que j'ai lu à plusieurs reprises avec les enfants de la maison. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils raccourciront les jours de ta vie. Ah non. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. C'est-à-dire, il va te protéger pour que tu ne tombes pas dans le mal qui amène à la mort. Que la bonté, la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. La bonté, la fidélité. Sois bon et fidèle. Il y a des gens qui sont, ça peut être fidèle. Ça peut être fidèle aux gens. Les gens ne sont pas bons. Ils sont forcément méchants. Ils ne partagent rien. Et le méchant, c'est celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. C'est comme ça que la Bible définit le méchant. Il emprunte et ne rembourse pas. Et chaque jour, lui, c'est le mal qui est dans son cœur. C'est un méchant. Tu acquéris ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Aïe, on a mis sur ton intelligence. Ne crois pas que tu es trop sage, tu es trop intelligent. Ne le fais pas. Appuie-toi surtout sur Dieu. Mets Dieu devant dans tout ce que tu fais. Si tu vas à l'école, prie d'abord. Avant de quitter la maison, tu as un devoir, prie Dieu, quelles que soient les circonstances. Même si tu n'as pas étudié, prie Dieu. Et le Seigneur t'aidera. Je sais que la fois dernière, Sarah m'a rendu un témoignage que moi-même j'ai vécu quand j'étais en troisième année de licence, où on fait le contrôle de gestion. Et notre professeur était professeur de HEC de Paris. Elle a créé un livre. Et il y a des devoirs, il y a des exercices, il y a tout dedans. Et ceux qui étaient à l'école supérieure de commerce d'Abidjan, SK, dans leur bibliothèque, le livre était là-bas avec le devoir ou l'exercice dedans. Et il a pris le devoir pour venir chez nous. Pour nous donner ça en devoir de t'aider. Mais les gens ne savent pas qu'elle est intelligente. Elle a modifié 3 paramètres. Juste dans elle a modifié 3 paramètres seulement. Et alors, nos amis sont très intelligents, sont partis prendre le livre et copier les résultats. Donc copier, copier, copier. Et moi, dans mon groupe de travail, de TD, les amis voulaient qu'on aille prendre pour copier. Dis-moi, je suis chrétien. Si vous voulez, vous partez prendre vous. Vous faites votre feu à part. Vous ne mettez pas mon nom. Je fais pour moi ceux à part. J'ai dit, mais au lieu de se fatiguer là, j'ai dit, mais tu ne te fatigues pas, tu apprends. Si tu réfléchis là, toi-même là, tu apprends. Si tu vas copier, tu ne vas rien apprendre. Parce que c'est facile pour toi. Tu vas avoir une bonne note, mais tu n'auras rien appris. Fâché. Ils m'ont laissé seul le devoir. J'ai détraité. Seul jusqu'au bout. Et j'ai mis le nom des 3 autres, des 4. J'ai mis le nom des 3 autres. C'est notre groupe. Et puis on est parti au TD. On est allé au TD.
mon groupe adversaire farouche se sont portés les premiers à les corriger. Ce jour-là, j'étais à mon troisième jour de jeûne. Faible assis là, je suivais. Ils ont corrigé jusqu'à arriver à la fin. Et puis il y avait ma main. Et puis l'autre, il a dit, il s'appelle Assis. Assis Patrick. Il dit, Badi, qu'est-ce que tu as vu encore? J'ai dit, mais votre devoir là, c'est faux jusqu'au bout. Mais plus que le professeur lui-même, il a pris depuis. Nous, on passe le mercredi. De lundi à mardi, c'est cette correction-là qu'il a donnée à tous les élèves. Il n'a pas fait attention qu'il y a trois paramètres que la dame a changé. Je dis, c'est vous. Le professeur me dit, non, il y a une erreur dedans. Il dit, mais oui. Je dis, mais sept paramètres l'a changé, sept paramètres l'a changé. Regarde les valeurs. Regardez ce qu'elle a formulé. Ça a changé. Alors il dit, mais bon, que le groupe de Badi vienne reprendre la correction. Alors j'ai regardé celui qui était le plus farouche contre moi. J'ai dit, c'est toi qui vas le corriger. Il est parti la corriger jusqu'à. Il a mis notre correction à ce qu'on a fait là. Il a fait jusqu'au bout. Ça tombe pile. Vous avez dit, bon, écoutez, vous tous, vous prenez la correction de ce groupe. Donc de lundi à mardi, tout ce qu'ils ont fait, c'est faux. De mercredi à jeudi, vendredi, quand samedi, c'est notre correction là qu'il va faire passer maintenant. Donc il nous a donné 16. Il est là, mes corrections, vous avez vu, non? Vous cherchez des notes frauduleuses. Vous n'avez pas vu. Donc comment le professeur va faire pour corriger pour les autres là? Comment il va faire pour annuler les notes là? C'est un problème. Donc, vous les enfants à l'école là, ne touchez pas, hein? Apprenez à travailler. Parce qu'il y a des pièges dedans. Et c'est ce que Salomon nous dit ici. Tu acquéras ainsi la grâce de Dieu et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appelle pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Amen. Et il aplanira tes sentiers. Là où les sentiers sont difficiles, il y a des trous, on te tend des pièges, sois tranquille. Amen. Il s'en occupera. Parce que avant que les Amen. Pièges soient tendus, lui voit. C'est ça. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, Amen. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut poursuivre encore un peu. On va aller de chapitre 4. Ça, c'est le chapitre 3. Hein. On est de chapitre 4, versets 1 à 6. J'espère que vous allez les reprendre à la maison beaucoup plus approfondis. Je lis le verset 1 au verset 6, chapitre 4. Écoute, mes fils. Cette fois-ci, il n'a pas dit mon fils, hein. Il dit mes fils. L'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils, mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Amen. Aime-la et elle te protégera. Alléluia. Amen. Voilà l'interjection de Salomon. Il a démontré qu'il était un fils pour son père et un fils pour sa mère. Et il a donné les qualificatifs. J'étais un fils pour mon père. Mais regardez bien, un fils tendre et unique auprès de ma mère.
Ne fiez pas vos mères. Pour vous qui les avez encore avec vous. C'est important. Très important. Chez nous, on disait ceci. L'orphelin réussit. Vous savez pourquoi l'orphelin réussit? C'est profane, mais il y a une leçon à tirer dedans. Il dit, l'orphelin n'a personne pour lui donner des conseils. Et quand il passe, il entend le vieillard là donner des conseils à son fils. Comme la personne, il se met à côté de la maison et il écoute et il met en application. Mais l'enfant qui est assis là pense que son père est en train de le déranger, de l'embêter, de lui donner trop de charges, de lois. L'orphelin prend et puis lui va appliquer. Demain, quand tu regardes l'orphelin, lui, il a réussi et l'autre n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que un a été attentif au conseil que l'homme a donné. Celui qui n'a pas été attentif là, le lien n'est censé. Et c'est vrai, ça, on en a vu énormément. Nous, on a vécu oui. Avec des hommes, on a vu des jeunes gens qui n'ont pas écouté les conseils. Il y en a qui avaient des parents qui ne donnaient pas de conseils. Il écoutait le conseil que l'autre donnait à son fils pour lui apprendre la vie. C'est vrai qu'il y en a dans la vie, au point où il y a un stade où ils ne peuvent pas prendre des décisions sans consulter leurs parents. Mais il faut un jour mûrir. Si tu as bien suivi le conseil de ton père, tu dois mûrir. Et ça va prendre des décisions comme il se doit. Au verset chapitre 7, verset 1 à 5. On est au fur et à mesure qu'on avance, ça diminue un peu. Chapitre 5, verset 1 à 5. Mon fils, il y a un mot qui revient souvent, très souvent, c'est le mot attentif. Est-ce que c'est faux? Si on voulait compter, on pourrait bien voir le mot attentif là. Je n'ai pas pris le temps de les compter, mais je pense que vous pouvez le faire à la maison tranquillement avec les enfants pour voir. Il y a des mots qui sont semblables également qui permettent. Mon fils, ça de chapitre, on est au chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies et elle ne sait pas où elle va. Que Dieu nous aide. Cela est valable pour nous tous. Qu'on soit grand ou petit, ou encore enfant, ces choses-là sont valables pour nous tous. Pour que nous apprenions à marcher avec Dieu. Le chapitre 6. Chapitre 7, 1 à 5. Mon fils, retiens mes paroles. Et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe-les, tu vivras. Si tu n'observes pas, tu vas mourir. Observe, tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Ah oui, il faut protéger tes yeux là. Chez nous, on dit, faut pas qu'on casse ton œil, il faut les mettre dans ta main pour les protéger. Et ici, que l'enseignement de ton père soit comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Tu sais, les doigts, quand tu mets quelque chose sur les doigts, à tout moment, tu vois. Ouais, ton doigt, là, tu l'utilises à tout moment. Pour travailler, tu utilises tes doigts. Pour aller, quand tu vas à l'école, ça va être ton doigt, tu écris. Quand tu prépares, ça va être ton doigt, tu écris. Tu l'as tes mains à tout moment. Si tu l'as lis ton doigt, là, tu vas toujours t'en souvenir. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Appelle l'intelligence, ton ami. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses.
J'ai dit, on va jouer verset combien? Verset 5. Si vous voulez, vous pouvez suivre la suite. Vous lisez la suite, vous allez voir la femme étrangère. C'est pour vous dire, frère, soeur, enfant, la femme doucereuse là, c'est la prostituée. C'est elle qui fait tomber. Elle a la parole mielleuse. Elle sait gagner le cœur des hommes. Et j'ai tous les moyens pour vous tromper. Mais c'est après que vous connaissez la douleur qui est attachée à ça. Je passe au verset, au chapitre 10. Pour ne pas vous garder longtemps, je fais un effort pour aller très vite. Parce que je sais que vos parents pourront les lire avec vous. Et ceux qui sont avec moi, s'ils ont des problèmes, on pourra les relire entre nous. Du verset 1 au verset 3, chapitre 10. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père. Et un fils insensé le chagrin de sa mère. Oh là là. Hein, Emmanuel? Tu as compris, non? Un fils qui est sage fait la joie de son père. Mais un insensé, c'est le chagrin de sa mère. Ça ne met pas tout son temps à souffrir, à pleurer. Jusqu'à ce qu'elle descende dans la tombe des chevilles grisonnantes. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Amen. Amen. J'ai dit, m'arrête au verset 3. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Les bandits peuvent s'attendre pour aller voler, mais au moins de partir le trésor, le butin, il y a toujours les coups de feu qui éclatent. Le dit, c'est moi qui ai vu, et puis j'ai fait le plan. Maintenant là, on ne peut pas partir à pas égal. Et le plus rapide, il dégaine, il tue les autres, et puis il prend. Sinon, ils se retrouvent tous, et puis la police vient les prendre pour les amener en prison. Si c'est la police judiciaire qui arrive, c'est déjà le coup de feu, et c'est la mort qui s'ensuit. Non, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Oui, si tu es juste, tu ne vas pas souffrir de la faim. Dieu pourvoira à tes besoins. Sois juste seulement. Quand les gens ne trouvent pas de travail, Dieu va te donner un travail. C'est vrai. Hein? Quand les gens ne trouvent pas de travail, là, Dieu te donne un travail. Souvent, on pense que c'est en vain que certaines choses nous arrivent. Dieu qui connaît nos cœurs, là, il ne nous donne pas tout. Parce qu'il connaît nos cœurs. Et nous devons revoir nos voies. Fais attention. Pour que la mère de Dieu soit sur nous. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste quoi? Abandonner. Ni sa postérité mendier le pain. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Le juste là, je ne l'ai pas vu abandonner par Dieu. Même sa postérité mendier son pain. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu, à cause de la justice de leur père là, il prendra soin des enfants. Amen. C'est Dieu qui l'a écrit où? David était un prophète. On le lit dans Actes. Pierre a dit, quand il était prophète, c'est de la résurrection de Jésus dont il parlait. Il n'a pas dit que c'était quelqu'un de lui, c'est un prophète. On poursuit le chapitre 12. Chapitre 12, versets 1 à 4. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Amen. 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 C'est tellement merveilleux de voir. Et le verset 4 continue.
une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. Pour dire les jeunes enfants, les jeunes filles, c'est maintenant que vous devez apprendre à écouter vos mères. Et les mères, soyez bons, pour ne pas dire bonnes, envers vos maris, dans vos foyers. Et puis, pour que les enfants trouvent des modèles dans la maison. Quand vous ne respectez pas vos maris devant les enfants, c'est ça. Demain, elles ne vont pas respecter leur mari à leur tour. Quand vous aussi, vous n'aimez pas vos femmes devant les enfants, que vous les méprisez, demain, ils n'ont pas envie de se marier. Pour eux, le mariage, c'est une corvée, c'est une tâche trop lourde, et ils ne veulent pas se marier. Mais quand ils voient l'amour dans la maison, dans le foyer, ils voient la paix, ils se rendent compte que c'est un lieu qui fait bon vivre. Alors quand ils grandissent et qu'ils ont la possibilité de se marier, le modèle que vous avez là, ils vont rechercher le même modèle. Ils ne vont pas se précipiter à aller prendre une femme. Ils vont compter sur Dieu pour que Dieu leur donne une femme qui puisse être comme leur mère. Que Dieu nous bénisse. Le chapitre 13, 1-3. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moquin n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on juge du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. C'est ça, non? Si tu parles trop, tu cours à ta perte. C'est pour ça que j'aime dire, je disais à mon fils Nathanaël avant, je dis quand tu as des gens, ne parle pas trop. Ça, je l'ai appris en lisant un livre de négociation. Il y a un père qui a dit à son fils, si tu es avec les gens, tu parles trop, tu n'apprends rien. Ils apprendront tout de toi, toi tu n'apprendras rien d'eux. Mais si tu es calme, tu écoutes, alors tu apprendras ce qu'ils ont appris. Tu ne seras pas stupide. Mais si tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu finis par être stupide. Et quand on va vérifier ce que tu dis n'est pas vrai, plus personne ne va t'écouter. Plus personne ne va vouloir t'avoir comme ami. Mais quand tu écoutes ce que disent les autres, tu vérifies si c'est vrai, tu apprends. Et je vais vous donner un exemple, même si on est là. Vous savez, quand vous travaillez ensemble en commun, on apprend beaucoup de choses. Nous, on a appris, on travaille sur les logiciels. Souvent, il y a des coins qui te coincent. Oh, il y a un qui connaît. Et quand vous arrivez là, quand il applique ça, tu as appris. Donc, il y a un point qu'il ne connaît pas. Quand tu arrives, que tu appliques, il apprend. Et pour finir à la fin, chacun a augmenté sa connaissance. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, quand vous avez une chandelle et que vous la cachez vous seul, le jour s'éteint, tout le monde se trouve dans l'obscurité. Mais si tu aides chacun à allumer sa chandelle, vous avez une grande flamme. Ah oui. De sorte que ta chandelle s'éteint, tu crois que tu l'as rallumée. C'est faux? Si pour toi c'était là, tu peux te rallumer. Parce que tu as aidé les autres à rallumer, ils vont t'aider à rallumer pour toi, pour que le feu se maintienne. Ainsi, apprenons à nous taire quand il faut nous taire. Merci. Et c'est important. Apprenons à écouter. Apprenez à écouter. Dans le silence, dans le calme, dans la prière. Si nous devons parler, nous parlons devant Dieu. Et je reprends. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moquin n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on juge du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Amen. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. C'est vrai, non? Ouais. Tu parles, tu parles. Tu crois ta perte? Enfin, tu parles sans te contrôler. Aujourd'hui,
Excusez-moi. Il y a des gens qu'on vient à la maison, les prend. Et puis on s'en va, ils s'en vont. Parce que quelque part, il a parlé. Et il y a des chrétiens qui ne font pas attention. La fois dernière, il y a quelqu'un qui a envoyé un truc sur le j'appelle pas ça le site, sur notre groupe là. Et je pense que quelqu'un a bien fait de le voir pour dire, écoute, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes apolitiques, nous ne voulons pas qu'une seule chose qui n'est pas biblique nous soit mise dessus. Enlevez ça. Vous, tout battez prendre sur, comment on appelle ça, sur Facebook, sur la police du pays là. On ne veut pas voir ça sur ça. Pour qu'on vienne poser des questions à des personnes. Parce qu'on a une affaire. Nous, c'est on ça. Doit prier simplement que Dieu fasse sa volonté Amen. Dans ce pays. Amen. Dieu connaît mieux que nous. Attends, qu'est-ce que tu peux faire? Que tu vas te fâcher ou tu peux parler. Ta parole après chacun quoi? De nous connaître, ça te condamner. Ça va te condamner. Que Dieu vienne au secours de chacun de nous. On va sauter par le verset 23. Au verset 23. Alors, il est un peu long, hein? 1 à 8. Chapitre 23, verset 1 à 8. Là, c'est encore un enseignement, mais j'ai souligné un la même. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ça, tout le monde est surpris. Quand tu es à table avec des gens qui sont âgés, ne te précipite pas pour te servir. Parce que souvent, il y a tellement de choses dedans qu'on a envie d'être le plus à se servir. Heureusement, nous sommes des chrétiens. Mais je vais vous donner un exemple simple. Au début du message, je crois que c'est Bali ou c'est Baranowski. C'était à Dabou, où on achetait beaucoup de pain pour tous les frères qui doivent prendre le petit déjeuner. Et puis, il y a un frère de Kouté, je ne vois pas son nom, il n'est plus dans la foi. Il est assis là, il y a le beurre là. Et puis, lui, il mange. À un moment donné, le frère Baranowski a ramassé tout le pain. Il dit, frère, mange, prends, continue, mange. Les autres ne comptent pas. Tu ne penses pas aux autres. Tu ne penses qu'à toi seul. Alors, mange, il faut manger. Mange. Voilà la honte. Tu ne peux plus manger. Devant tout le monde, on t'a mis à nu. On sait ce que tu fais, il faut manger. Et c'est vrai, dans certains villages également, ça arrive que ça crée des problèmes. Nous, on a vécu une situation où un jeune homme, les gens, une dame, ils ont pris la maman, les femmes ont préparé, ils ont, les vieux ont été à la pêche, ils ont attrapé de grands poissons, ils devaient manger. Et puis il a dit, on va manger, oh! Ça, vous allez bien manger. Il n'a pas mangé une seule boule d'attiqué. La seule qu'il a prise est restée dans sa gorge jusqu'à ce que les gens finissent de manger. Jusqu'à ce que les gens aient fini de manger. C'est là que la boule est descendue. Et puis le vieux lui a dit, tu as mangé combien? L'un des vieux lui a demandé, tu as mangé combien? Il dit, tu penses que tous ceux qui sont là, ne savaient pas qu'ils allaient manger? Tous ceux qui étaient là, ne savaient pas que c'est pour manger que les femmes ont préparé. Tu es parti à la pêche? C'est nous qui sommes partis à la pêche? Tu vas attraper le poisson? Non, on sait que c'est pour manger. Maintenant, tu as mangé. Demain, tu apprendras à te taire. Ils lui ont fait le mal. Il n'est pas un croyant. Ils lui ont fait le mal. Ils l'ont bloqué, il n'a pas mangé. Ils ont tout mangé. Il n'a rien mangé. Et donc, ce que Salomon dit là,
C'est vrai. Quand Nathan est des grands, il faut faire attention. Ne convoite pas. C'est dans le syndicat demain. Ne soyez pas les premiers. Mettez-vous. Et ça, c'est encore valable. Hein. On va à des endroits là, on aime se mettre devant premier. Il faut se montrer. Mets-toi derrière. Tu ne sais pas qui va venir. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus honorés que toi. Amen. Qui vont arriver. Ça sert à honteux pour toi quand on te dit, monsieur, excusez-nous. Hein. Lui, il est protocolaire. Monsieur, excusez-nous. C'est ça. Vous pouvez passer par derrière là. Vous pouvez passer à la chaise là. Et vous êtes obligé de vous lever devant tout le monde pour vous retenir derrière là-bas. Ah, on pensait que tu étais un homme d'honneur, alors que tu n'as pas d'honneur, passe derrière là-bas. Il y a des gens qui sont plus d'honneur que toi. C'est ça. C'est pour ça que quand tu vas quelque part là, aussi longtemps tu ne sais pas qui va venir là, mets-toi quelque part. Attends qu'on vienne te faire asseoir. Quand on vient te chercher, devant les autres là, on vient te chercher. On vient te chercher pour te faire asseoir. Tu ne peux pas te chercher où? On t'honore. Il a la même chose. C'est ce que Salomon dit ici. Si tu as table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Peut-être exprès. C'est devant toi que se trouve l'assiette, où se trouve le meilleur mets que le grand la aime. Mais ne te précipite pas. Peut-être c'est la seule chose qui est dedans. Ne te précipite pas. Attends que lui te dise, c'est toi. Attends que lui te dise, c'est toi. Et quand tu te sers là, fais attention. Sers-toi dans les proportions qui puissent penser pour laisser la possibilité aux autres aussi de se servir. Il y en a qui sont à table, ne pensent qu'à eux seuls. Ils se servent, Je vous raconte une histoire. J'ai un cousin qui est arrivé chez moi. Un jour, quand t'as bobo, on était encore du Pougon. Et à ça, Marcoury. Ma femme m'a préparé, puis on devait manger. Une grosse boule. Une grosse assiette d'attiquer là. Puis moi j'ai mangé, mais je me suis levé, je vais me coucher. Le gars l'a vidé l'attiquer. Quand ma femme arrive, l'assiette est vide. Et puis elle vient dire, mais je comprends pourquoi elle dit que c'est son nom qu'on le maltraite. Si lui seul mange comme ça, et qu'ils sont quatre à la maison, si chacun doit manger comme ça là, son salaire là va suffire pour le mois. Mais il va être pauvre. Et c'est comme ça qu'on dit qu'on maltraite les gens, alors qu'on ne les maltraite pas parce qu'ils sont... je ne sais pas quel mot, je ne peux pas dire qu'ils sont gourmands, mais en fait, ils n'ont pas de science. Ils ne tiennent pas comme les autres. Ça, Jean-Marie le sait. Hein. Si Vincent était là, il vous dit, il y a certains pays, quand vous arrivez là, vous servez, vous mettez les gens à table. Ils pensent à eux seulement, d'abord. Ça, j'en connais. Au point où Frère Barlier, quand il recevait certaines personnes chez eux à la maison, en Suisse, c'est lui-même qui s'est à table. Okay. Parce qu'il a remarqué qu'il y en a qui arrivent là, ils remplissent l'assiette, et avant qu'on ne se rende compte, les autres n'ont plus rien à manger. Donc il est obligé de servir chacun, dans la proportion, pour que chacun trouve à manger. Donc, ce qui est écrit ici là, Salomon était un roi. Salomon était un roi, non? C'est parce qu'il a vu qu'autour de sa table, il y a des gens qui sont comportés comme ça. Ils n'ont pas tenu compte des grands. Et ça l'a coûté. Le roi, mais il a le droit de vie ou de mort sur toi. C'est ça. Il y a un chef de guerre qui était autour de la table avec lui. Et c'est la cour du roi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'asseoir manger. Et tu penses que tu es le seul? Non. Il te dit, il faut faire attention. Le mets là qui est devant toi, il faut faire attention à ça. Tu ne sais pas pour qui c'est. Mets un couteau à ta gorge. Il dit, fais attention. Toi-même là, mets un couteau à ta gorge. Il ne faut pas te précipiter de sorte qu'on te chasse de la table même, si on ne t'a pas mis au poteau. Si tu as trop d'avidité, mets un couteau là. Ne convoite pas ces friandises. Le sel là, c'est quoi? C'est S-E-S. Ça appartient à qui? Au roi. Ne convoite pas les friandises du grand là. Ne le convoite pas. Il faut lui donner la possibilité de te donner ça lui-même, de te l'offrir. Mais toi, faut pas chercher déjà là. Dès qu'on dit un peu, tu mets ta main dedans.
C'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Les ailes. Amen. Comme de l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Amen. On va le verset 8. Je lis le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as à manger. Et tu auras perdu tes propos agréables. Je sais pas ce qu'on a compris. Il te dit, mange. Attends, non. Servez-vous d'abord, servez-vous. Non, servez-vous. Il va dire, ah, il est intelligent, il est sage. Il est intelligent, il est sage. On peut lui faire confiance. On peut l'envoyer. Parce que si on l'envoie quelque part, il ne va pas en nier. Mais si déjà, par ton comportement, on sait que c'est, on ne peut pas avoir confiance en toi. On va terminer avec le dernier chapitre. Proverbe 30. Proverbe 31. J'ai lu deux versets seulement. Le verset 1 et le verset 2. C'est comme si c'est la conclusion de tout ce qu'il va donner. Hein. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fille de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à ceux qui perdent les rois. Amen. Parole du roi Lemuel. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes voeux? Qu'est-ce que je te dis? Je t'ai déjà tout lu. Ne lis pas ta vigueur aux femmes et tes voix à ceux qui paient des rois. Voilà ce que je te donne comme conseil. Que Dieu nous bénisse. Amen. Auparavant, à la fin, il dit, mais qu'est-ce que je vais te dire encore? Qu'est-ce que je vais t'apprendre? Que Dieu nous aide. Et que la parole de Dieu soit précieuse pour chacun de nous. Pour ceux qui ont l'habitude de lire le Proverbe chapitre 31, ils verront qu'après on parlait à la femme vertueuse et tout. C'est pour ça qu'il dit, il faut faire attention à la femme que tu vas prendre. Il faut faire attention à l'homme que tu as aussi marié. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Ça, je peux vous dire. J'ai connu beaucoup de foyers où c'est comme si on vit dans l'enfer. L'homme n'est pas en paix, la femme n'est pas en paix. L'homme dit n'est pas en paix. La femme dit qu'elle n'est pas en paix. Mais entre les deux, qui est en paix? L'homme dit qu'elle n'est pas en paix parce que sa femme n'est pas bonne. La femme dit n'est pas en paix parce que son mari n'est pas bon. Et je vous ai dit une fois ici que au milieu de nous là, il y a des hommes, quand ils donnent l'argent à leur femme pour le marché, au retour, ils doivent rendre compte de la monnaie. Ils peuvent mesurer même la quantité de riz qu'on doit manger à la maison là. Lui-même va mesurer pour donner à la femme.
Mais pourquoi tu l'as marié alors? C'est vrai. Mais pourquoi tu l'as marié? Pourquoi tu l'as marié? Étais-tu obligé de te marier? Si le mariage doit devenir un enfer, autant pour toi que pour l'autre, ben, l'amour vient d'où? L'amour vient d'où? Parce que le mariage vient de l'amour. Et on nous enseigne dans plusieurs passages bibliques, qu'est-ce que c'est que l'amour? On nous enseigne, par plusieurs passages bibliques dont on a parlé ici, les liens qui doivent exister entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme, entre les enfants et leurs parents, et entre les servantes ou les serviteurs et leurs maîtres dans la maison. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est nombreux comme ça, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On est tellement attaché au bien matériel qu'on fait plus tort à son compagnon ou à sa compagne et à ses enfants. Parce que sous prétexte que les beaux-parents vont venir, on va servir les beaux-parents. Quand on n'est pas là, la femme va envoyer ses beaux-parents venir. Mais ce sont tes beaux-parents. Tu as marié leur fille. S'ils ont faim, ils doivent manger. C'est vrai. Faut leur donner à manger. Amen. Quand tes parents vont venir à la maison, il faut qu'ils mangent eux aussi. Mais c'est à nous d'entretenir les relations de sorte que nos parents puissent rentrer au milieu de nous. Mais si nous-mêmes, nous ne savons pas quoi faire, que faire, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à respecter. Ils n'ont pas appris à travailler. Mais la maison est en désordre. C'est pour ça que les enfants, vous avez vu comment Daniel et ses amis ont été aimés par le roi. Ils ont eu des épreuves, hein, mais Dieu les a sauvés. Dieu les a tous gardés. Vous avez vu comment Jérémie a été appelé par Dieu lui-même, depuis le sein de sa mère. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais Dieu l'a tous secouru. Vous avez vu David, comment Dieu l'a appelé. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais pour finir, ce que Dieu lui a promis là, Dieu le lui a donné. Et il a été l'homme selon le cœur de Dieu. On peut continuer. On peut continuer, voyez Joseph. La vie n'a pas été facile pour lui. Mais c'est de la volonté de Dieu. Pour arriver là où ils sont. Il était. Et le chemin par lequel nous devons passer, mes enfants, mes petits-enfants, oui, c'est pas un chemin droit. J'ai toujours dit que la route, la vie chrétienne, ce n'est pas un chemin fleuri. C'est un chemin d'épines. Et j'ai dit que l'évangile ruisselle du sang des saints. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Je peux dire même la chose au 21e siècle. Au 20e siècle, mais les gens du 18e, du 17e, du 16e, jusqu'au 1er siècle, n'ont pas eu une vie facile, hein, dans la foi. Nous, on a encore une vie facile. On a quelques temps d'épreuves devant nous. Si maintenant on ne peut pas vivre une vie chrétienne normale, ce n'est pas quand le temps d'épreuve va venir que l'on pourra vivre une vie chrétienne normale. C'est pour cela que Dieu nous aide à être chrétiens. Que Dieu nous aide à être chrétiennes. Enfants, soyez des chrétiens. Vous qui êtes en âge de conscience pour marcher avec Dieu, que Dieu vous aide à prendre votre responsabilité et votre engagement. Pour ceux qui sont encore petits, élevons-les. Et du coup, on laisse la voie qu'ils doivent suivre. Amen. Que demain, ils fassent le choix eux-mêmes. Et que Dieu se change, qui change les cœurs, change leur cœur. Ils fassent d'eux les enfants qui lui appartiennent. Parce qu'il nous les a prêtés. Amen. Comme nous avons été prêtés à nos parents. Que son nom soit loué. Amen. 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 On va prier. Bien-aimé Père Céleste, ce matin, nous avons passé du temps à nous donner des conseils. En lisant ces proverbes, en parlant de Timothée, en parlant du groupe de Daniel, de tous les autres,
nous voyons combien de fois tu aimes les chemins par lesquels nous avons aussi passé. Ce n'est pas un chemin facile. Mais tu n'abandonnes pas celui qui se confie en toi. Tu n'abandonnes pas celui qui s'éloigne, celui qui s'attache à toi. Donne-nous, Seigneur, de retenir ces paroles, de les attacher, Seigneur, à nos doigts. Nous qui sommes les parents, de le mettre sur les poteaux de notre maison, les linteaux, et l'inscrire sur la table des cœurs des enfants. Quand nous voyageons, leur parler de toi. Quand nous sommes à la maison, les instruire et leur donner un modèle à suivre. C'est vrai. Mais tout cela n'est possible que si ton esprit vient à nous. Parce que ta parole spirituelle, nous sommes charnels. Et l'apôtre Paul le dit, il n'y a que ton esprit seul qui peut nous changer. Aussi longtemps que ton esprit ne nous a pas changé, nous sommes seulement des religieux, nous sommes des hommes morts, des femmes mortes. Car tu as dit, la femme qui vit dans le pays du monde est morte quoique vivante. Donc ne pas être des morts, mais des vivants. Amen. Des vivants, parce que nous vivons par toi. Ton esprit habite en nous, et nous vivons et tu as déversé en nous ta vie. De sorte que nous pouvons être des modèles pour nos enfants et pour ceux qui nous environnent. Sois loué ce matin, sois exalté. Jésus. Les besoins sont nombreux certainement. Si vous voulez les énumérer, ce n'est pas possible. Mais repois chacun selon ses besoins. Comme chacun selon tes faveurs. Et exauce-nous quand nous prierons dans le secret. Tu as dit, ne faisons pas comme les autres qui pensent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Mais de rentrer dans notre maison, de fermer la porte derrière nous. Et dans le secret, toi qui tu vas dans le secret, tu nous reprendras dans le secret. Qu'il en soit ainsi pour tous mes bien-aimés qui sont là. Ils sont tous mes enfants. Oh mon Dieu. Et mes petits-enfants, exauce-nous et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais que tu nous entendes un cantique. Bientôt l'heure sonnera, sonnera au moins de rendre. À cet instant, à cet instant suprême. De la vie, je pourrai, ce que pourrai-je dire à mon père. Si ma vie n'est que débauche, corruption, iniquité, il est temps, il est temps. Alléluia, il est temps, il est temps.
Bien avant ce train.